Bonsoir tout le monde, heureux de vous retrouver mes chers élèves. Alors, nous allons tous ensemble, dans cette capsule de ce soir, traiter un exercice dans le chapitre de la chimie. Et comme vous le savez, les acides et les bases pratiquement constituent un grand chapitre qui vous attend dans l'examen de fin d'année. Alors, l'exercice de ce soir va permettre de mettre à votre disposition des questions de base que vous aurez à traiter le jour de l'examen. Nous allons traiter la réaction d'un acide avec l'eau, qui reste une réaction de dissolution de cet acide dans l'eau, de déterminer s'il est un acide fort ou un acide faible. Comme vous le savez, selon la règle de Bronsted, un acide, toute espèce chimique capable de libérer un proton H+. De même, nous allons faire la dissolution d'une base dans l'eau. Et comme vous le savez, la définition d'une base, selon Bronsted, toute espèce chimique capable de capter un proton H+. Alors, dans les deux réactions de dissolution, que ce soit pour l'acide ou la base, nous allons déterminer les constantes d'équilibre associées à ces réactions et déterminer si les réactions sont totales ou pas. Dans un deuxième temps, nous allons aborder la réaction de deux couples acido-basiques et de déterminer la réaction chimique ainsi que la constante d'équilibre et déterminer si cette réaction est totale ou pas. Voilà le thème que nous allons aborder dans notre exercice dans un instant. Alors, je vais vous lire l'énoncé de l'exercice et je vous laisse le temps de le relire avant d'aborder la solution tous ensemble. Les mesures sont effectuées à 25 degrés Celsius, soit une solution S1 d'acide éthanoïque de concentration C1 égale 2,010 puissance moins 2 mol par litre. Question. Écrire l'équation de la réaction de l'acide avec l'eau. Exprimer et calculer la constante associée à l'équation de cette réaction. Peut-on dire que l'acide éthanoïque est un acide faible dans l'eau? La mesure du pH de la solution donne 3,2. Confirme-t-elle le résultat précédent? Soit une solution S2 d'ammoniac de concentration molaire C2 égale 1,010 puissance moins 2 mol par litre. Écrire l'équation de la réaction de l'ammoniac avec l'eau. Exprimer et calculer la constante associée à l'équation de cette réaction. Peut-on dire que l'ammoniac est une base faible dans l'eau? Exprimer et calculer la constante associée à l'équation de cette réaction. Peut-on dire que l'ammoniac est une base faible dans l'eau? La mesure du pH de cette solution donne 10,6. Confirme-t-elle le résultat précédent? À un volume V de solution S1, on ajoute un même volume de solution S2. Écrire l'équation de la réaction qui a lieu. Calculer la constante d'équilibre associée. Montrer que l'on peut considérer la réaction comme totale. Alors là, vous avez des données. Alors, couple acide-base que vous avez, l'acide éthanoïque, l'ion éthanoate. On donne le pKa, c'est 4,7. L'ion ammonium et l'ammoniac, le pKa2, c'est 9,2. On donne les couples de l'eau H3O+, H2O, et le pKa est égal à 0. Alors, pour le couple H2O, HO-, aqueux, le pKa est égal à 14. Alors, nous allons aborder la solution de l'exercice. Donc, la première question était d'établir l'équation de la réaction chimique de la dissolution de l'acide éthanoïque dans l'eau. Alors voilà, vous avez cette réaction chimique.
Alors, la deuxième question, petit b, c'est d'établir la constante d'acidité. Alors, vous avez déjà la constante d'acidité K égale à la concentration de l'ion éthanoate à l'état d'équilibre multiplié par la concentration de H3 ou plus à l'équilibre sur la concentration de l'acide éthanoïque CH3COH à l'état d'équilibre. Juste un petit rappel, dans les acides et les bases, la concentration de H2O liquide est égale à 1 parce qu'il joue le rôle de solvant. Alors donc on peut calculer Ka qui est égal à 10 puissance moins pKa1. Donc on trouve à peu près une valeur de 2 multipliée par 10 puissance moins 5. Alors comme vous le savez certainement, la constante d'équilibre n'a pas d'unité. Et on peut la comparer à 10 puissance 4, donc dans notre cas, Ka est inférieur à 10 puissance 4, ce qui prouve donc la réaction est limitée, alors l'acide éthanoïque est un acide faible. Alors pour la question petit c, donc pour la confirmation, alors on va établir tout simplement le taux d'avancement qui s'écrit taux 1 qui est égal à x final sur x max, qui est égal à la concentration de H3O plus sur C1 fois V, qui est égal à 10 puissance moins pH sur C1. Alors on trouvera une valeur de 3,2%. Alors donc je tiens quand même à rectifier. Donc on a dit taux 1 est égal à x final sur x max qui est égal à la concentration de H3O plus fois V sur C1 fois V. Alors, sur la gauche, notez bien que X final est égal à 10 puissance moins pH fois C et X max est égal à C1 fois V. Alors, donc, excusez-moi, donc X final est égal à 10 puissance moins pH fois V. Alors donc, on trouve que taux 1 est égal, comme j'ai dit, en pourcentage à 3,2%. Alors donc, on a trouvé taux 1 est égal à 3,2%. Donc, taux 1 est inférieur strictement à 1, ce qui confirme le résultat précédent déjà vérifié dans la question petit b. Alors donc, pour la solution S2, donc la question... L'équation de la réaction de la dissolution de l'ammoniac dans l'eau est la suivante. Alors pour la question petit b, la constante d'équilibre dans K que vous avez, donc concentration de NH4 plus à l'équilibre multipliée par concentration HO moins à l'équilibre sur NH3 à queue à l'équilibre. Alors là, vous voyez, quand il s'agit de la dissolution d'une base, on va multiplier le numérateur et le dénominateur par les concentrations de H3O plus, et nous allons obtenir donc K est égal concentration NH4 plus à l'équilibre sur NH3 à queue multiplié par H3O plus, multiplié par HO moins, multiplié par la concentration de H3O plus. Alors nous continuons donc K est égal à KE sur KA2 et on va remplacer par 10 puissance moins PKE sur 10 puissance moins PK2 qui est égal à 10 puissance PKA2 moins PKE. Juste notez bien que le produit ionique KE c'est la concentration de HO moins multiplié par H3O plus. Alors on trouve une valeur de K qui est égale à 1,58 10 puissance moins 5. Donc, NH3, l'ammoniac est une base faible du fait que la réaction avec l'eau n'est pas totale. Alors, donc, pour reconfirmer ce qu'on a trouvé comme résultat, on va déterminer le taux d'avancement taux 2 que vous avez, x final sur x max. Donc, qui est égal à concentration HO moins sur C2. Alors, je vais utiliser le produit ionique de l'eau, donc qui est égal à KE sur C2H3O plus.
Donc, taux 2 est égal à 10 puissance moins pKe sur C2, 10 puissance moins pH. Alors là, je vais utiliser une propriété des puissances. Donc, taux 2 est égal à 10 puissance pH moins pKe sur C2. Et vous allez trouver à peu près une valeur de 4%. Donc, taux 2, elle aussi, strictement inférieure à 1. La réaction n'est pas totale, ce qui confirme que l'ammoniac NH3 est une base faible. Alors pour la troisième question, donc l'équation de la réaction entre l'acide éthanoïque et l'ammoniac est la suivante. Alors par la suite, on vous a demandé la constante d'équilibre. Alors donc j'espère que vous êtes censé l'établir. Donc la voilà. Seulement que à un certain moment, j'ai multiplié dans l'égalité, la deuxième égalité, le numérateur et le dénominateur par la concentration de H3O plus. Alors donc Ka est égal à Ka1 sur Ka2, que je peux écrire autrement, 10 puissance moins pKa, pK1 sur 10 puissance moins pK2, qui est égal à K 10 puissance pK2 moins pKa. Ça, c'est une propriété des puissances que vous êtes censé connaître. Alors, application numérique, on va trouver que K est égal à peu près, est égal à 3,16 10 puissance 4. Alors on remarque donc que la constante d'équilibre associée à la réaction de l'acide éthanoïque avec l'ammoniac est supérieure à 10 puissance 10 puissance 4. Donc la réaction, elle est totale. Alors mes chers élèves, donc c'est un exercice vraiment qui est très important parce que il vous propose vraiment les questions que vous êtes censé connaître, les questions de base, le jour de l'examen que vous aurez à traiter. Bien évidemment, donc on va traiter d'autres exercices dans les acides et les bases, en particulier les exercices traitant les dosages, c'est très important. Et éventuellement, je vais vous chercher un autre exercice qui étudie la conductivité éventuellement. Alors, je vous souhaite toujours bonne continuation, portez-vous bien et bon courage. À bientôt.